j'ai un sentiment de fierté, mais de satisfaction envers ma jeunesse. Bon, je constate qu'il y a une forte mobilisation de la jeunesse, et la jeunesse constitue l'avenir de ma commune, mais aussi l'avenir du Sénégal. Le sport, c'est une occasion, une opportunité pour communier les cœurs et l'équilibre physique. Nous faisons de la politique le plus beau milieu du monde pour servir nos concitoyens et le peuple sénégalais en général. La jeunesse de Gandon doit s'atteler à l'essentiel pour exprimer le patriotisme et l'engagement au service de notre politique territoriale. Main dans la main, en toute harmonie, comme dans une équipe de sport. Croyez-moi, je serai au service de ma commune, mais aussi de ma jeunesse et des femmes. Chérigé en une grande collectivité au sein du département de Saint-Louis. Un élu ne pourra rien faire sans un réel engagement et une implication de sa jeunesse dans le cadre de la promotion du développement communal. Cette finale de la Coupe du Maire est une opportunité de faire appel à la jeunesse de ma commune pour qu'elle vienne nous accompagner dans cette noble mission pour servir le collectif territorial. Unis autour de l'essentiel, nous pourrons atteindre notre objectif. Et cette année, nous, on a envisagé en 2023 d'ériger ce terrain en terrain, clôturer ce terrain de football, parce que Gandon mérite d'avoir des terrains de football, mais à la longue, un stade municipal. Parce qu'on a clôturé un terrain dans la zone de Ndiogou, mais un terrain de football qui n'est pas praticable. Aussi dans la zone de Raou, qui ne répond pas aux normes pour pouvoir accueillir les compétitions. Donc, on doit revoir les pelouses, les camps, et voilà, respecter les normes pour que ces terrains soient fonctionnels pour recevoir des matchs de haute compétition. En tout cas, cette année, on va clôturer ce terrain pour qu'au moins qu'on ait trois terrains dans les trois zones. En tout cas, je lance un appel pour terminer à la jeunesse de réunir nos efforts et nos forces pour développer notre terroir et aussi Gandon rayonne dans le département. Nous avons un sentiment de satisfaction mais aussi de fierté qui Théophile, Fethou Ndaw Yi. Fethou Ndaw Yi dafa nek lu noble. Kon en tant que maire, li ñu war ñu suñu première édition taxaw ndaw yi bu baax, taxaw askan bu baax. Fofu nak ñi ngi ci gorgol xam nañ ni collecte locale géré ko lu metti la, parce que suñu mission moy embellir la cité mais aussi moy compétence yi nga xam ni moom lañ transféré au collecte locale ñu mën ko doxal te ñi ngi ci def suñu kentlay carton. En tout cas, ñu togué ci commune ak légui yagul, mais mën nañ def un bilan à mi-parcours bo xam ni gëm nañ ni askan bi seen ay atteinte ci un an yi dépassé nañ ko, wala def nañ lu ëpp li ñu doon yaakaar. Tey nag jour bu spécial boo xam ni Fethou Ndaw Yi la, te ndaw moom mooy avenir ëllëg, ndaw moom mooy avenir réew, te yaakaar nañ am nañu ndaw yu jeunesse bu sen, jeunesse boo xam ni jeunesse bu consciente la. Te li ñuy terminer rek mooy suñu yéene mooy fexe ba ériger fii clôturer terrain bi à la longue ñoom stade municipal ci Gandon. Loolu nag dina développer bu baax a baax suñu commune ci création d'emploi, mais ci création de valeur ajoutée. Parce que tey c'est vrai que dañuy déplacer di dem à chaque fois Saint-Louis, mais nag il est temps que vraiment ñu xalaat ni war nañ mën des ci commune Gandon ba ndaw yi li ñuy soxal lépp ñu mën ko fi am, te ñu ngi siy def ay jéego yu am solo. En tout cas, ñu ngi sant ñëpp, ñu ngi gërëm ñëpp di wax ni bu fête bi mënee bu ñu mënee réussir tey, premier adjoint la moom moo yor organisation bi, moo yoroon liggéey bi ba tey fi ñu agsi ñu agsi fi. Donc lépp lu ci réussir, lépp bu amee réussir rek moom la ak équipe bi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom. Ñu ngi sant ñëpp, ñu ngi gërëm ñëpp.